Allez, on est parti pour la Roche-Bernard. Et ensuite, nous irons à, après la Roche-Bernard, vers Pénétin. Et après, nous irons vers Pénétin. Et puis, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. On verra ce qu'on va faire. Allez, premier arrêt. On a à côté de nous le château de la Bretèche. Et alors, en fait, je sais pas du tout ce qu'est ce château. On va essayer de savoir. La flèche, elle va vers là et nous, on va vers là. Pourquoi? Parce que tu peux faire tout le tour par là et après, normalement, tu ressors par ici. Coucou. Et voilà, c'était le château de Bretèche qui date du 14e siècle. On est à la Roche-Bernard et Looping vient de m'apprendre que c'est la ville la plus petite de France. Et du coup, voici la raison pour laquelle la ville s'appelle la Roche-Bernard. Juste à cause de ce gros caillou. Il vient de vomir. Je sais pas si c'est de la fatigue ou si y a un truc qui est mal passé. C'est que j'ai fait à bouffer en fait. J'étais pas bien et là ça m'a libéré. Maintenant t'as une belle vue derrière toi. Bon, alors là on arrive à la mine d'or. J'ai vu sur internet des images, ça a l'air super beau. Mais Looping va nous faire visiter ça. Et enfin, j'arrive à voir l'océan de près. L'océan. Alors du coup c'est la découverte de l'océan et en fait c'est impressionnant quand tu viens de la Méditerranée, ben en fait la plage est juste infinie. Donc ici le lieu s'appelle la mine d'or, tout simplement à cause des couleurs des falaises que vous voyez à ma droite qui lorsqu'elles sont éclairées prennent un peu une couleur dorée. Petite précision, maintenant je me situe entre la Bretagne et les Pays de Loire. Alors c'est la limite, alors il va y avoir des images. Autant filmer en Bretagne, autant en Pays de Loire. C'est l'heure du coucher de soleil. Alors j'ai été très bref sur le voyage parce qu'il ne me reste plus qu'une batterie chinoise. Donc j'ai préféré optimiser mon temps de batterie. Et là notre but c'est de trouver un spot pour filmer le coucher de soleil. J'ai du potentiel. On est en train de se taper. Bon, c'est praticable, mais c'est juste qu'avec le matos, c'est un peu compliqué. On est en train de se taper un parcours pour trouver un point de vue sur le coucher de soleil. J'en peux plus. Et il faut que je dorme. Et voilà, on a trouvé notre plage pour le coucher de soleil. On est de retour chez Looping, j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps de me ressourcer. Là, je vais aller dormir parce que ma nuit de 3 heures m'a épuisé. Je vous dis à demain.